Salut tout le monde! Casu, PGM, PVE, PVP, chasseurs de hauts faits, vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne Cube Loves to Play. Cette fois-ci, nous nous attaquons à des chats, ou plutôt nous allons les caresser. Direction Ravendress pour le haut fait 9 vies après la mort, qui nous invite à trouver les 9 bestioles en question, puis juste à cliquer dessus le temps d'une barre d'incantation afin de récupérer nos fameux 10 points. Je vous propose comme solution pour gagner du temps et vous éviter de les chercher un par un sur internet, d'utiliser le célèbre combo Tom Tom et Past. Pour rappel, le premier indique des positions sur les cartes en fonction de coordonnées qu'on lui indique. Le deuxième permet justement de rentrer toutes ces coordonnées en une seule fois via une grande fenêtre de saisie avec la commande slash past espace show S-H-O-W. Je vous mets tout ça en description et voici en vidéo où se cache précisément chaque chat. Il y en a deux qui peuvent être un peu plus embêtants que les autres à caresser. Il s'agit de Boule de Poil qui se trouve dans le donjon de Malpeste au niveau du couloir avant le dernier boss. Vous pouvez vous y rendre en recherche automatique de groupe ou avec des amis, mais tout seul, cela risque d'être un peu compliqué. Le deuxième, c'est Moisistopheles, qui a eu la bonne idée de grimper sur un champignon et qui vous oblige à faire du Mario Bros pour l'atteindre. Je sais que beaucoup de joueurs n'aiment pas World of Warcraft quand il se transforme en jeu de plateforme. Si vraiment vous galérez à l'atteindre, la petite astuce que je peux vous donner, c'est de vous positionner dans le même angle que sur la vidéo, de faire votre saut et de lever les mains du clavier. Parce que souvent, le saut est réussi, mais comme on continue à bouger, on tombe de la racine. Pour les autres chats, c'est assez trivial. Il faut juste avoir les bonnes coordonnées, bien ouvrir les yeux, éviter de prendre trop de monstres sur la tête et tout devrait bien se passer. Tout de suite, les 9 chats en vidéo. Bonne chance à tous! Puis comme d'habitude, je vous souhaite un très bon jeu à Shadowlands et je vous dis à très bientôt pour un prochain guide. Et si vous avez envie, rejoignez la famille sur la chaîne ou envoyez-nous de la force en vous abonnant à Cube Loves to Plays. Je vous en remercie d'avance.